Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Des bons vieux chevaliers au grand cœur qui n'avaient jamais peur de rien. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. L'amitié qui vira la rancœur, et ce du jour au lendemain. Ça se frite, ça se clash sans arrêt. Le duo s'est séparé, c'est triste. Mais Hutch a nouvellement recruté un collègue communiste. Trotsky et Hutch. Trotsky et Hutch. Leurs avis sur le grand capital engendrent souvent des conflits. Trotsky et Hutch. Trotsky et Hutch. Le partage des ressources vitales est un thème qui les oppose aussi. Le binôme a très vite divorcé. Hutch est seul, il est tout déprimé. Et Starsky s'ennuie pendant ce temps dans une chaîne de restaurants. Starsky chez Plunge. Starsky chez Plunge. Pas d'emploi, pas de salaire, c'est pas cher. Et Hutch se saoule pour oublier. Whisky et Hutch. Whisky et Hutch. Il avale sa tristesse dans un verre. Aïe aïe aïe, ouï ouï ouï. Ouais ouais. Quand la vie te rend trop malheureux, que ton crâne se retrouve trop brumeux, il te faut rapidement changer d'air. Pratique un sport d'hiver. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. L'un revit en sautant sur des lattes et l'autre est parti vivre en Bavière. Starsky auf Deutsch. Starsky auf Deutsch. Apfelbaum und Kartoffelsalat. Das Leben ist manchmal so schwer. Like it hurts. Delicious. Gustoso, le café qui réveille les morts. Try to catch me howling at them. Voilà. Alors, ça vous plaît? J'ai pas compris. Qui sont ces gens? Marilyn Monroe et John Lennon? C'est pas très suisse. Et en plus, ils sont morts. Ben, c'est ça le concept. Ouais, mais moi, je veux pas faire du café pour les fantômes, monsieur. Pour le marché suisse, il faut une famille. Suisse. Qui fait pas peur. Blanche. Et il nous faut aussi des people connus. Ouais, des Suisses superstars comme Melanie Winiger. Ou Noa Veragout. Ou René Schoudel. Je sais pas qui c'est. Patrick, si je perverte. Et puis là, ça va pas. Les dialogues, ils sont trop en même temps comme la bouche. Il nous faut des voix qui parlent français, mais mal le français. Et aussi, il faut le mot savoureux, mais avec un adverbe qui marche pas. Davantage savoureux? Davantage savoureux. Et puis là, je parle pour Larry, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je pense qu'il voudra des animaux qui parlent. Quoi? Et il est où le prix? Il me faut quelqu'un qui dit le prix, sinon moi je crois que c'est gratuit. Hein. Sans oublier le slogan, il faut un slogan catchy, en anglais. Pour pas qu'on a besoin de le traduire dans nos quatre langues de merde. Quatre? Ben le français. Et surtout, il faut un peck shot. Rouge. Moche. Rouge et moche. Vous, ça fait 2 semaines. J'ai acheté ce café. Tu m'en diras des nouvelles. Quel goût délicieusement caféiné. Oh, regardez là-bas. C'est René Schoudel, le chef superstar, lauréat des World Cook Awards 2011. Bonjour.
davantage savoureux. Surtout avec le kilo à seulement 19,99 €. Only chez Best Craft. Café gustoso. Réveille ton wake-up feeling. Ouh, c'est vachement bon. Ah, oh, c'est tip-top. Super best. Et toi, tu as aimé Larry? Je trouve ça très réussi. On joue? Ouais! Redécouvrez le jeu mythique de votre enfance, version 2020. C'est un homme ou une femme? Yel est non-binaire. Yel. Percez à jour l'identité de vos amis dans un jeu où presque tout est permis. Yel est blanche ou noir-noireux? Yel est 36% amérindien-indienne, 27% libanaise, 19% suisse-cesse et 18% néo-zélandaise. Est-ce que l'on peut sincèrement dire de cette personne, sans l'offenser par un éventuel body shaming, est-ce qu'on peut dire que cette personne est en situation de surpoids? Non mais écoute, je préférerais vraiment qu'on puisse rester en dehors de toute considération liée au physique ou à la beauté. On va manger? À fond! Qui est-ce? Le X? Un jeu bon, bah voilà. Thank you.
encore. Ta-da, 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 ta-da.